Alors, nous sommes ici dans ma petite serre expérimentale avec diverses plantations que je viens d'achever ce matin. Le système d'aération automatique pour deux ouvertures pratiquées dans le plafond finalement de cette serre. Donc, alors, elle fait à peu près 5 ou 6 mètres de long avec 1 mètre de plantation de large. Et je vais passer rapidement d'abord et puis donc faire un petit point sur l'origine de mes plantations qui viennent quasiment toutes, on va dire à 98%, de Cocopelli. Cocopelli, qui est cette association de partage de graines qui donne des fruits dont on peut récupérer les graines à nouveau. Donc voilà, alors voilà. Donc ça, ce sera à venir dans peu de temps normalement, puisque là, actuellement, il fait une température de. Donc là, j'ai des salades qui viennent d'être salies parce que j'ai rempli des pots de terre, mais de très belles feuilles de salade dont je peux manger chaque jour, à vrai dire. Au fond, pareil, c'est de l'autoreplantation, ça aussi. Sauf que je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra. Ici, j'ai planté différentes choses. Il faudra regarder sur les étiquettes, mais là, on ne va pas le faire systématiquement. Principalement des tomates ici, donc le long. Ici, de la betterave, des concombres. Non, des courgettes. On a des concombres un peu plus loin, mais je ne sais plus où. Ici, j'ai planté des tomates encore. Ici, encore des tomates. Des choux de Bruxelles. 2001, je suppose que c'est, on verra bien. Et puis j'ai également là tout un tas de petites choses qui doivent être. C'est quoi ça? Ah, c'est pas commode mon système là pour. J'ai mis un envers, donc les choux de Bruxelles, donc les vrais choux de Bruxelles, ça c'est bon, quand c'est bien parti, c'est bon. Là j'ai tout un tas de tomates à nouveau. Non, c'est quoi ça? Non, des radis. Là ce sont des radis. Oh bah oui, j'ai mis des radis. Oh oui, une moitié, j'en ai une autre moitié à mettre en pleine terre. J'ai des pousses de haricots. Des haricots qui ont été mangés par des nuisibles. C'est pourquoi on trouve des épluchures de pommes de terre ici, dont j'ai trouvé la piste sur internet. Ce serait faire diversion auprès des petites bêtes qui attaquent. Ça, c'est de la salade. C'est une espèce de roquette, mais c'est pas de la roquette, ça n'a pas goût de roquette, ça a davantage le goût de pissenlit. Ce n'est pas désagréable du tout. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça fleurit déjà, et puis ben voilà, on a déjà de la graine montée en graine, bon, on verra. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des concombres là-bas, ici j'ai des tournesols à graines, du tournesol mangeable, enfin, comment on appelle ça, doux. Et puis voilà, donc deux pieds de haricots, trois pieds de haricots qui ont réussi à survivre aux attaques. Ici, c'est un répulsif aussi que j'ai mis. Ici, je ne sais plus ce que j'ai planté. Voilà, à vrai dire, je ne sais plus. Ça met tellement de temps à sortir que je ne sais pas ce que c'est. On a des petites dents crantelées ici. Des petites dents sur les feuilles. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite bête-là. Bon, on verra, hein. Surprise, surprise, ce sera repiqué au jardin, ça, enfin, à l'arrière. Tiens, voilà l'ennemi, l'un des ennemis. Ah, voilà, petit bonhomme, oh, qu'il est beau. Avec de l'ail, une petite persillade. Allez, hop, on va le sortir de là. Tiens, mon grand, hop là, on va le sortir d'ici. Donc voilà pour mon petit potager, mon petit potager. Ma petite serre prête à donner encore énormément, énormément de légumes cette année.